Yo, salut à tous les amis, c'est le Rugbyman et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la Champions Cup. Je suis avec tout le stade toulousain. Du coup voilà, on va vite fait voir notre petite composition si je fais des petits changements. Elle a été plutôt bonne cette équipe, hein, donc je pense que ça va le faire avec... Allez, on va retrouver un petit Max Médard à l'arrière et Thomas Ramos qui va même... j'ai envie de mettre UG contre La Rochelle. Non, on va laisser Ramos. On va laisser Ramos et on va se mettre en maillot blanc contre cette équipe rochelaise, en sachant qu'on a gagné notre premier match de poule. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur la chaîne YouTube, en espérant que vous allez bien m'entendre. Ok, attendez, je vais juste vérifier vite fait si ce n'est pas trop fort. Attendez. Option sonde. Et on va... Bah, normalement c'est le même réglage, donc je suis désolé si c'est un peu trop fort. Si c'est pas mal, c'est tant mieux. Bon, moi j'ai du son, moi ça me fait plaisir. Allez, Colby qui envoie pour Max Médard. Max Médard pour son premier ballon. Premier ballon de Max Médard, le petit coup de rasin. Merde, on a du linkiteur. Ok, juste, on va juste, je vais juste mettre mon casque. Comme ça, moi, je suis sûr que ça va pas avoir un écho. Ah, Arnold. Qui va aller en touche. Malheureusement. Allez. Ouais, t'es que Arnold qui va la récupérer. Intama qui retourne d'ailleurs sur Tolofur. Allez. Cross qui envoie Bale. Dommage, j'avais Colby à droite de Bailey qui aurait pu lui donner. Max Médard. Max Médard à la relance avec Sofiane Guitoun. Guitoun, il y aura le 2 contre 1, vous voyez arriver Mathis Lebel. Dommage qu'il n'est pas passé. Bien défendu par les Rochelais. Allez, faire un aussi beau match que contre les Waps, parce que les Waps on les a dominés. On les a dominés, mais je pense que ça sera plus dur aujourd'hui contre une équipe rochelaise. Allez, Romain Tama qui va essayer de dégager son camp, mais pas trouver la touche. Ce sera dur dans la relance. Allez, Pita qui va essayer de mettre la pression. Romain Tama qui était là pour plaquer. Et oui, ça s'est bien joué, il avait vu le trou. West ou Jules Plisson, je pensais. Allez, pour Keino, Ntamak. Oh oui, là peut-être un petit décalage les gars, avec Baptiste Lebel qui va débrouiller le troisième ligne normalement. Allez, Tolofua qui joue après contact, allez les gars. Ntamak qui va se coucher, il y a un petit... Oh là, les passes par contre, mal fait. Hein. Attendez, on va essayer de... dégagé avec Sofiane Guitoun son camp. Allez, ça sera mieux de jouer dans leur camp quand même avec Dulin à la relance. Bien plaqué, bien attendu par Antoine Dupont les gars. Allez, le bail pour Plisson, la passe au pied. Allez Guitoun, vas-y vite. Guitoun vite. Ok. Bon, Léier ne l'aura pas mis. L'aura pas réussi à la capter. Allez, Tamac. La longue passe pour Guitoun, le bel. Dommage là. On a pas pu. Et Jules Plisson qui va trouver. Franchement qui commence à faire un peu mal quand même. Parce qu'on arrive, on a du mal à sortir de notre camp. On va la mettre là. Allez. Antoine Dupont. Ntamak. On va essayer vraiment de jouer dans leur camp. Donc on va pas faire que des relances. Dulin là qui a. Qui a avancé. Jules Plisson encore. Ah merde, c'est Médard qui va aller le mettre en touche. Allez. Allez, Pita qui. On n'aura pas trouvé la touche, mais attention là, la relance par contre de Rull.
Roule plutôt, c'est, je pense que c'est Roule, mon vrai nom. Bon, début de match assez compliqué, on a du mal à sortir notre camp, j'essaie de pas jouer au pied tout le temps, mais en fait les coups de pied sont pas forcément super bien utilisés. Il y a un décalage, les crosses, il y a un Gitoun qui va essayer de déborder là. Et oui, il n'y a pas de soutien, c'est parce que j'ai pas réussi à faire la passe pour. Oh oui, ça c'est très très bien joué, mais à la course, Plisson. Haki, il y aura le retour de Haki. Parfait. Là, Jules Plisson, je vous l'ai dit. Qui fait mal pour l'instant, Jules Plisson. Le bail avec le bel qui est bien monté là. On a récupéré la balle. Entamac. Colby maintenant. Allez, chasser une Colby qui avait été. Qui a pas réussi à les marquer. Mais oui, il va y aller chasser une Colby. Colby pour le premier, c'est Toulousain sur ce match. Il n'avait pas marqué contre les Waps. Et là, aujourd'hui à La Rochelle. Ça va marquer. Chasing Colby, parfait. Et Romain Tamac. Qui va mieux débuter que la semaine dernière. Enfin, que la semaine dernière que contre les Waps. Et il va passer 7-0 pour les Toulousains. En difficulté, mais on marque. Et c'est ce qui est bien. Arnold. Ok, merde. Combinaison qui n'est pas passée malheureusement. On la passe sur un pas. Aldrit Keino qui va la récupérer. Greg Aldrit. Et Jules Plisson qui fait mal. Jules Plisson là avec un magnifique retour de Max Medarto, Fua qui fixe, Lebel qui va bien trouver Sofengitoun. On va tenter le crochet, on va la perdre, j'étais un gourmand là sur cette relance. Et Colby, touche direct en plus, ah non. Ok. Allez, on va essayer de les lobes. Ah, dommage. Gabriel Lacroix qui n'y joue plus, mais bon, lui, là dans le jeu, il y est apparemment. Et Gourdon. Bien plaqué par chez Sinkelby. Entamac qui va mettre la pression sur Jules Plisson, c'est dommage. Ou là, c'est Fomuna. Ou c'est Fomuna et Médard. Médard qui a vu le trou. Qui a vu le trou, Max Médard. Et petit côté, il y a un beau du coup à jouer avec Pitaki qui a vu chasser une Colby là. Quand on perd trop la balle, pour l'instant. Avec... Oh oui, la passe est pris contact et mal jouée. La croix qui la récupère. La croix, mais ça va être récupéré par Pitaki. Mais c'est Greg Aldrit, je voulais faire une passe de pris contact. Un peu brouillon cette action, mais... C'est bien les Rochelais qui ont la balle avec Botia, Pitaki qui est là. Là ça met l'accélération côté côté Rochelet. Je sais pas que vous comprenez pourquoi il avait fait ça, mais c'est pas mal joué avec Max Médard. Allez, Antoine Dupont, petit côté jeu de main, jeu de Toulousain, vous connaissez bien ça. Keino, allez, qui joue sur Romain Tamac. On va la perdre malheureusement. Je sais pas, des moments je suis trop gourmand, mais c'est tellement tentant de relancer. Allez, Haki qui met la pression sur Jules Plisson. Et Dulin. En poste de 10 là, il était. Allez. Oulala, Jules Plisson qui a. Je vais monter un peu trop vite avec Romain Tama qui l'a mis un crochet à Fomuna. Attention à 5 mètres, on la récupère, c'est parfait. Allez, il n'y avait personne là-bas, on l'avait vu. Sur la mini carte en bas. Et du coup, Brice Dulin sous pression de Lebel. Allez, ça joue rapidement par Max Médard. Max Médard qui a trouvé. Qui avait trouvé Lebel et Lebel qui a envoyé Colby, mais malheureusement j'ai fait une passe après contact
un peu compliquée avec Colby. Allez, bye, bye. Parfait. Bye qui va rentrer là. Allez, vite, vite, vite. Oh oui, monsieur. Ok. Allez, on va revenir. On va avoir une bonne touche en espérant avec Romain Tamac. Oh, j'ai que gourmand. J'étais gourmand. Ouais, peut-être bonne en fait. Ouais, ok, merci, roule. Roule. Du coup, j'ai trouvé une belle touche avec Romain Tamac. Allez, Romain Tamac qui envoie Guitona et Colby. Colby, Colby qui va venir là, dans l'axe. Et les Rochelais qui vont se satisfaire d'un 7-0 pour les Toulousains. Allez, c'est pas mal. Au final, on gagne, on mène. C'est bon. C'est parfait. Allez, Romain Tamac. Jocelyn Colby qui va mettre la pression sur Gabriel Lacroix. Je me suis fait y avoir. Allez, Max. Bien joué. Ah, par contre, Colby s'est fait trouver. Et roule. Ah oui. Ah ben là on va plus le revoir. On va plus le revoir. Et laisser Rochelet. Là on s'est fait trouver en défense. C'est le pilier qui va la taper. Non c'est plus son ça. Je crois que c'est le pilier. Là c'est le pilier ici. C'est le 1. Qu'est-ce qu'il fait en tant que. C'est le numéro 1 qui la tape. Je suis pas aveugle. Elle est très très bien tapée celle-là. Voilà, regardez cette cet engagement de Romain Tamac. Très très bien tapé avec Arnold Dupont qui va la voir. Allez, Romain Tamac qui va se plaquer du coup. Arnold. Allez. Domérou qui a récupéré, mais il y avait une pénalité, une faute. Rochelaise. Un hors-jeu plutôt. Romain Tamac. Romain Tamac. Je vais la rater. Je vais la rater, les gars. Totalement raté de la part de Romain Tamac. C'est dommage. C'est dommage, là, j'aurais pu faire mieux. Premier échec de Romain Tamac, 1 sur 2 pour l'instant. Oh oui, Colby, Guitoun plutôt. Allez, chassine Colby, vous l'avez vu là, c'est un deuxième ligne en face. Deuxième ligne contre Colby. Colby est largement plus rapide, déjà qu'il est plus rapide contre les ailiers. Tolofua, Akil, Guitoun. Guitoun qui va repiquer. Allez, Tolofua, couche-toi. Allez, le petit coup de pied de Lebel pour Aki. Aki, le 2 contre 1 avec Chassin Colby, parfaitement joué. Quelle combinaison les gars, des Toulousains. Parfaitement joué, petit coup de pied, Aki qui la récupère, Aki qui retrouve Colby, Colby à la course. On peut plus le récupérer. C'est parfait là, les gars, la combinaison, elle est magnifique. Je l'ai vu qu'il pouvait faire un petit coup de pied, j'avais vu sur la carte que l'arrière, il était trop à gauche. Et du coup, le coup de pied parfaitement joué. De Lebel pour Aki et après Aki qui va retrouver Colby. C'est parfaitement joué. 14 à 7, les Toulousains qui repassent devant. Allez Romain. Oui, là, il est beau ce coup de pied de Romain Tamac. Il est très très beau et même Dulin qui va l'amener en touche. Que demander de mieux pour l'instant dans ce match avec Keino, Ntamak, Aki, Guitoun, Lebel. Allez. Avec Fomina. Ah oui, je l'ai lâché. Oh là, je fais une faute en plus. Ok les gars, on va changer du coup, comme il n'y a que deux joueurs en première ligne, on va faire sortir Cyril Bail, les gars. Et on va faire rentrer, même si c'est pas trop son rôle, Aldeguerri. Je crois que c'est plus en pilier droit, Aldeguerri. Movaka qui va rentrer à la place de Julien Marchand. Et on va faire rentrer Richie Arnold. Et on va faire entrer Tecori.
Allez, on va faire ça comme changement pour l'instant. Pour les Toulousains. Ok, allez. Le Bosch. Oh, c'est récupéré. C'est bien récupéré. Allez. Allez, c'est pas mal joué. Dommage là que. Oh, oui, mais ça peut en profiter quand même avec Gitoun. Gitoun qui accélère. Gitoun qui va accélérer. Colby, Colby. Dommage. On va la perdre. Fomina qui met de la pression sur Jules Plisson, mais trop lent. On va pas la jouer rapidement les gars. On va revenir ici. Allez, Tekuri. Tekuri. On avance. On avance. Les gardiens, on va la retenter la combinaison en espérant qu'elle va repasser. Oh, Kaino, le petit coup de pied. Dommage, c'est Kaino qui a tapé le coup de pied. C'est pas très très bien. Pas forcément bien tapé. J'aurais peut-être dû faire une autre combinaison du coup. Ok, on va la laisser. Colby intelligent. Et Movaca au lancer pour Arnold. Dupont qui va surplaquer là. Colby, lui, un contre un pour Colby. Bien, un beau retour là des. Combien de tamac. Ou la passe un peu dans la chaussette pour le bel du coup qui va la récupérer. Guitoun, allez, Médard. Allez, Dupont. Qui en va Arnold. Allez, le bel retour intérieur pour Max Médard. C'était bien, bien trouvé. Allez, petit côté, il y a peut-être quelque chose à faire. À qui a conservé la balle. Un poil trop long de Romain Tamac. Mais il n'y a personne à regarder. Et Guitoun sans souci qui va la récupérer. Et on va la perdre malheureusement. Ouf, il y a largement en avant les gars. Mais l'arbitre n'a rien vu. Et Colby qui va aller peut-être fixer pour Guitoun. On va revoir ça. Mais il y a pour moi largement en avant. On va pas le revoir malheureusement. Mais revenez un petit peu plus, mais Lebel qui fait une passe en avant quand même. Et du coup, Max Médard la reprend. Mais bon, il y a essai. Faut profiter parfois des petites erreurs d'arbitre. Aïe, 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 dommage, c'est à côté de Romain Tamac. Ça lui fait un 1 sur 3, je crois. Mais j'ai toujours eu des difficultés sur ce jeu pour les transformations. On est mis. Romain Tabac qui a fait un en avant. Mais on a un essai du bonus les gars. Attendez, on va faire rentrer tous nos changements. Comme ça, ils auront du temps de jeu. On va faire sortir Antoine Dupont. Hein. On va faire rentrer Balès. Balès, Balès. Zach Holmes. Alors, j'hésite. Guitoun. On va mettre. Allez. On va faire comme en vrai. On va mettre Zach Holmes en deuxième centre. Et on va laisser un petit Thomas Ramos à la place de Max Médard. Et on va laisser la charnière du coup Balèze Ntamack. Et Zach Holmes au centre. Roule. Ouf, le plaquage. Ah oui, il manque Placine aussi. Placine, Placine. On va faire sortir Cross. Hein. On va faire sortir. Attends, Placine, il est là. Et on va faire sortir, les gars. C'est le coaching. Il faut Tolofua. Allez, Kaino, parce que Kaino, il est un petit peu plus fatigué que les autres. Du coup, voilà. Genre, ça, les gars, c'est le jeu. Hein. C'est pour ça que je fais beaucoup de pauses. Du coup, pour le coaching, en espérant payant. On va aller chercher ce bonus offensif, les gars.
Je vais juste voir quand même une dernière fois. Est-ce que Zach Holmes peut être centre déjà? Oui, il a son rôle de troisième, de centre, hein, impeccable. Hein. Impeccable, impeccable, c'est bon. Normalement, il n'y aura plus rien, les gars. Maintenant, il n'y a que du jeu. Que du jeu. Aldrit Tolofua, Aldrit Meyer. Allez, Plisson qui va passer. Mais voilà, il fait mal, Plisson. Oh, dommage, il y en a avant en plus, là, encore de Jules Plisson. Mais bon, l'arbitre dit rien, Botilla, là. Allez, balèze. Oulala, pas très très bien tapé. Ce coup de pied. Allez les gars, mettez-vous. Allez, balèze, bien joué, bien balèze. Allez, Aldeguiri. Allez. Qui envoie chez... Oh, le plaquage haut. Sur Colby. Ntamack. Mais what? J'ai fait ça parce qu'il y avait un plaquage sur Colby là quand même. Sans j'aurais jamais fait ça avec un tamac. Gourdon, ça comme ce qui s'est fait trouver. Ok, peut-être un carton, j'espère. Je l'espère le carton, les gars. Carton jaune, les gars. Carton jaune et Romain Tamac qui va être là. Touché le moment, les gars. Pour... Oh là là. Non, c'est pas droit. Par Movaca. Et ça peut faire mal, hein. Le bonus, là, on peut le dire au revoir si... Allez, Ntamack Plisson. Oh oui, c'est récupéré par les Toulousains, mais regardez, il y a des enjeux de partout, les gars. Pas sifflé avec Mathis Lebel quand même. Mathis Lebel, il est parfait, Mathis Lebel, allez. Mathis qui va retourner sur Colby pour pas être poussé en touche. Parfait. Bien joué. Allez. Avec Movaca. Les gars, maintenant la victoire, elle est là. Hein. On va aller chercher la touche. On aurait pu trouver mieux quand même avec Romain Tamac. Mais au moins la touche, je l'ai trouvée. Pas trop gourmand. Movaca qui n'y est pas dans ses lancers là par contre. Il n'y est pas Movaca dans ses lancers. Mais là, c'est bon. Fallait pas la rater tout à l'heure malheureusement. Balèze, Romain Tamac. Holmes de contre avec Colby. Colby peut-être pour laisser du bonus. Non, Colby bien arrêté. Désolé, j'ai peut-être quelques latences là. Oh non, j'allais le jouer parce que. Aldrit, ça Holmes, allez plaquez-le. Jules Plisson, t'es couru, allez. Bien plaqué. Les gars, faut la prendre. Et Plisson qui va nous donner une autorisation. Ok, fallait pas la rater celle-là. Movaca, balèze. Romain Tamac. Tolofua. Holmes. Allez, Lebel. Mathis Lebel. Qui aura... On l'aura peu vu dans ce match. Allez, Vito. J'ai quelques latences, j'ai l'impression, dans certains matchs. Ouh là là, il fallait pas la donner à Colby. Allez. Ouh là là, bon, les gars, on va aller à la mêlée. Ok. Elle est conservée, très très bien joué. Allez. Ok. Le retour intérieur sur Thomas Ramos, allez. Fallait pas la perdre. Faut arrêter de les perdre, faut que j'arrête de faire des passes après contact. Si ça tape pas en touche, on peut encore avec une occasion. Sazi là qui passe. Pas être à la faute, pas être à la faute. C'est dommage. Il joue à la main. Hein. On aura l'occasion pour aller marquer. Hein. Désolé, il y a quelques latences. J'ai l'impression sur ce jeu pour cette vidéo. Je suis désolé. Hein. Ça sera rectifié pour l'épisode 3. Oh, Colby interception. Allez. Il y a Cross, regardez Cross qui va envoyer, allez, Placine, Placine. Bosch, Plisson. Ouh
La passe, je vois qu'elle était ratée. Dulin qui est passé. Prise Dulin. Parce qu'ils ont le bonus D à aller chercher, je crois. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps avec Romain Tamak qui envoie Tolofua. Allez, c'est pas mal là. Tekorin. Allez, Mathis Lebel, dommage. Oh, c'est pas mal joué avec Yassin Colby. La combinaison, elle est magnifique. Le doublé ou le triplé de Colby, je sais plus, on est à combien. Et l'essai du bonus, les gars, surtout. On l'aura fait. On l'aura fait parfaitement. Il est beau. Et Romain Tamak pour la dernière. Oh, je vais la rater. J'ai un timing 0. Ah non, elle va quand même passer, mais j'ai un timing 0 quand même sur ce jeu. Et on va ramener le bonus à la maison 26-7. C'est parfait, on fait un match nickel. Et on a mis deux très belles combinaisons par contre sur les essais. Bien exécuté. Et 7-26 au total pour les Toulousains. Bon, pour l'instant, je vais pas vous mentir, les matchs de poule, je m'en sors. Après, on ira à Glasgow pour l'épisode 3. Ok, pour l'instant, Cass toujours en difficulté. Exeter et Edimbourg. Saracen, c'est les Clermontois qui sont revenus. Et le Racing 92 qui commence à... Avec le bonus à chaque fois, mais il faudra commencer à gagner. Mais bon, les Saouis, c'est devant. Leinster en difficulté. Ah, c'est le pool de la mort, celle-ci. Parce que là, Exeter et Edimbourg. Exeter, bon, normal. Edimbourg, de base, c'est rare en quart de finale. Là, par contre, normalement, les 4, enfin, il y en a 3 sur 4 qui sont sûrs en Coupe d'Europe d'habitude. Saracens, Leinster, Racing, clairement, moins en ce moment. Je pense que les Saracens sont bien partis maintenant. Mais ça va jouer entre Clermont, Leinster et le Racing. Le Leinster qui est bien parti et c'est l'Osprey pour l'instant qui se qualifie avec un match de plus que Lyon et Toulon. Donc, tout peut se relancer après le match. Ulster, Newcastle. Ok, Leinster-Connacht, Toulouse-La Rochelle. Et puis on aura des grosses équipes dans pas longtemps à les affronter. Du coup les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite de cette Champions Cup avec le Stade Toulousain. Allez, à très vite.